Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrux, on se retrouve pour du Jujutsu, hein, comme chaque semaine, épisode 4, épisode qui va envoyer normalement du lourd de fou malade. Moi je vous le dis, je vous l'annonce. Et j'espère que l'animation va être incroyable parce que là, sincèrement, on va avoir en fait une prémisse de ce qu'est vraiment Jujutsu et de ce qu'il renferme. Et franchement, je pense que là, le studio a fait le taf, mais bon, on sait jamais. C'est parti, let's go! Yuji, alors on se rappelle des noms. Yuji, Megumi, Nobara, Gojo. On les a, je crois. On les a. Qu'est-ce qu'une fenêtre? C'est quoi une fenêtre, ça? Ah, c'est marrant, ça. Fusil à pompe. Char d'assaut, quand même, hein. C'est arme nucléaire quoi. C'est arme nucléaire quoi. Donc on sent déjà que par rapport aux précédentes missions, on n'est pas sur le petit esprit tout pourri. En plus, ce qui est marrant, c'est que Mob Psycho c'est mode exorciste, esprit. Ijujutsu aussi. C'est fou quand même, moi je suis vraiment dans le thème là. Et je kiffe trop. Franchement, je pense que c'est un de mes thèmes préférés. Si c'était mon préféré. Vous sentez opaque, c'est un petit peu le... Ça sent pas bon, quoi. Mais pas bon. Son camp, putain. Oh putain de merde. On a celui qui pense qui est trop humain, et t'as l'autre qui est un peu plus... Il faut effectuer la mission au plus vite, sinon on se fait tous tuer. Hein. Après, en soi, les deux sont importants hein, d'avoir dans une équipe, mais... Il en fallait bien deux comme ça. Ah oui, ça sent les emmerdes. Ça sent les emmerdes, hein. Ah, il appelle Kugisaki. Oh putain, c'est bien fait. Aïe, 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 aïe. Putain. Eh, mais l'ambiance, elle est parfaite. Oh, c'est excellent. Oh là là, mais non, il y a rien qui est coupé, mais je vais me faire démonter par Twitch, là. Ah oui, mais d'accord. Heureusement que j'ai un petit écran, là. Ah oui, ça y va. En fait, il est juste fort, en fait. C'est ça qui est beau, ils nous mettent un gros truc direct, tu vois. Il n'y a pas de chichi ou caca, là. On y va, là. On n'a pas le time. On n'a pas le time. Regarde-moi ce truc, en plus, ça... Il fait flipper, hein, ouais. Putain, c'est stylé, l'anime, je sais pas si vous avez remarqué, mais... Vous le voyez peut-être pas très bien, mais... Il bouge un petit peu quand il parle, il y a un truc. Il est pas figé, quoi, c'est hyper, hyper stylé. Là, vous le voyez un peu, peut-être. C'est toujours en mouvement, en fait. Et c'est léger, mais ça apporte de ouf. Ça apporte de ouf. Je le voyais pas si fort que ça. Enfin, je le voyais fort, mais... Oh là là. Oh là là. Puis là, il nous montre ce que c'est un fléau de rang S, quoi. Direct, tu vois. Putain, les OST. Oh, oh là. Putain, il se fait démonter, quoi. Il a perdu un bras. Il se fait cramer la gueule. Direct ça, on a l'épisode 4, les gars. Oh, dégoûtant, là. J'adore tous ces animaux qu'il a. J'ai mal planté. Je trouve que même si c'est un peu trop, tu sais, un peu un shonen de toute façon comme tous les autres, mais que il a une réaction à peu près.
assez naturel face à la mort, tu vois. Tu paniques, tu pleures, tu sais pas quoi faire. Enfin, c'est normal, tu vois, tu sais pas quoi faire. Après, bon, il se ressaisit rapidement quand même. Hein. Mais la panique, je pense, c'est un des premiers trucs que tu dois ressentir. C'est bon! C'est bon, les gars! C'est bon, les gars! Ah, là on va se marier. Là, on va se marier, les gars. D'ailleurs, c'est Yu de Grimjo, hein. Au passage, pour ceux qui ne savaient pas. Quand il se met en mode Sukuna, en mode démon, enfin, en mode fléau, c'est le Seiyu de Grimjo. C'est pour ça que je le kiffe trop. Enfin, c'est une des raisons. Oh mon dieu. Il est choqué. Le fléau est choqué, tu sais. Oh là là. Ah, il pue la classe, hein. En mode Sukuna, il pue la classe. Oh là là. Putain. Il est sadique en fait. Il est sadique de ouf. Et ça, on aime. Les méchants sadiques. Ou même les gentils sadiques. Hein. Peu importe. Figure-toi qu'ils nous ont classé rang S. Regardez-moi ça, il l'a démembré. Aïe aïe aïe. Il l'a encastré même. Et il se fait plaisir, quoi. Imaginez que là, il est même pas entier, là. Imaginez s'il a tous ses morceaux réunis. La puissance du bordel. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Oh là 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 là. Oh, je kiffe. Oh, je kiffe. Oh, je kiffe. Oh oui, monsieur. Il l'a explosé. Il a 2 sur 20, ouais, c'est ça. C'est ça, Edward. Il lui manque 18 morceaux, hein, le bordel. Et il nous sort un... Il est déjà tellement fort, t'as l'impression, évidemment. Mais bon, Gojo a dit, je peux te gérer tranquille pour l'instant. Pour l'instant. Donc on voit aussi la différence, tu vois, entre un exorciste hyper, hyper, hyper vénère et un Sukuna, quoi. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est stylé! Putain, c'est déjà fini. Ah, je kiffe trop l'ending. Il est tellement chill. Bah on s'arrête là-dessus, hein, ce que je vous dise. Je pense qu'à la fin, c'est la suite, j'imagine. Enfin, c'est le... Voilà, il nous annonce la suite. Ah, l'ending incroyable, je suis d'accord. Bah pour ceux qui sont sur YouTube, j'espère que vous avez kiffé, hein, comme d'habitude. Je pense que... Ça sent depuis l'épisode 1, enfin le 2 plutôt, parce que le 1, bah, on se dit tous, ouais, bah, le 1 est forcément bien, après bah, on va voir si ça suit. Ça suit. Et là encore, l'épisode 4, pff, mais ça fait tellement plaisir. Cette puissance, cette, y a pas de limite non plus, y a pas de censure, ça va à fond, quoi. On n'est pas là pour traîner. C'est ça qui fait plaisir. Tu vois, ça reste un thème classique qui est utilisé ici, l'exorcisme, les esprits, les démons, les machins. Mais c'est fait directement. Ils savent qu'on connaît tout ça. Et du coup, ils y vont à fond. Et ça, je kiffe. Et ça, je kiffe. Bref, on se donne rendez-vous, évidemment, bientôt pour la suite. Et du coup, pour ceux qui sont sur Twitch, on va rester là. On va faire du One Piece, évidemment. Bref, j'espère que vous avez kiffé. Laissez un gros like. Et j'espère que vous kiffez Sukuna, franchement. C'est un délice. Bah, je préfère, pour vous dire, je préfère Sukuna que le Shirosaki. Voilà, si je devais les comparer. C'est les deux entités qui habitent dans le corps de notre héros. Bah, je préfère de loin Sukuna, du peu que j'ai entendu, tu vois, que Shirosaki, j'ai du mal, il fallait que ça... Enfin, j'ai du mal, j'aimais bien, mais il fallait que, tu vois, qu'il explique un peu sa life avant que j'accroche à fond, mais Sukuna, pff, trop stylé, beaucoup trop. Allez, ciao à tous, c'était Pyrux.